Bueno, estamos acá en la que fue la casa de Bartolomé Mitre, que además de una eminente figura política de la Argentina, presidente entre 1862 y 1868, fue uno de los primeros promotores de las reuniones entre historiadores y por eso de la creación de la Junta de Historia y Numismática, que luego se va a transformar en la Academia Nacional de la Historia, que funcionó en este lugar entre 1918 y 1971. Entonces, de algún modo, representa un lugar también de los vínculos entre la historiografía francesa y la historiografía argentina, ya que en 1937 aquí dio una conferencia a Lucien Febvre y en 1947 vino Fernand Braudel, invitado por Ricardo Levene, para incorporarse como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Y creo que ese es un poco el motivo de estar aquí, de colocarnos en una imaginaria tradición de intercambios entre historiadores franceses y argentinos. Bueno, y te muestro un poco el edificio, si te parece. Bueno, este lugar nos evoca un poco las relaciones entre la historiografía francesa y la historiografía argentina. Uno podría ir hasta el siglo XIX. El mismo Mitre era un gran lector de los grandes historiadores románticos franceses, pero sin ir tan lejos y pasando un poco rápido por las fases ya en el siglo XX, sobre todo la que estaba ligada a los nombres de Lucien Febvre, que estuvo en esta casa, y de Fernand Braudel, que también estuvo. ¿Cómo se podría caracterizar esta experiencia de la cual tú formas parte desde hace más de 20 años, en el contexto de esa tradición más larga de relaciones entre Francia y Argentina? J'ai le sentiment que c'est une relation à étapes, avec des moments forts et des moments faibles ou d'absence, qui tiennent à la fois à l'histoire, et d'abord à l'histoire politique de nos pays, mais pas seulement. L'historiographie argentine a beaucoup regardé vers l'Europe, mais certainement vers l'Allemagne, autant ou plus que vers la France. Alors, il y a eu ce que tu as rappelé, la visite de Febvre, mais c'est un point dans l'océan. Puis les liens noué par Braudel après son séjour au Brésil, à São Paulo. Et puis, ensuite, pas grand-chose jusqu'aux années 60, lorsque Ruggiero Romano, qui avait été le disciple de Braudel, est venu ici et a formé une génération d'historiens dont tu fais partie, mais aussi Enrique Tandeter, Juan Carlos Garavaglia et d'autres. Et puis à nouveau, rien. Si bien que lorsque je suis venu par hasard, sur une invitation personnelle au milieu des années 90, les liens étaient très faibles. Je connaissais Enrique Tandeter parce qu'il était souvent à Paris, mais pas grand monde autour de lui. Et c'est à l'occasion de cette visite que nous nous sommes connus, que j'ai connu d'autres historiens, comme Gaston Bourroucoua, et que un réseau a commencé à se former. Donc ça n'a pas été une relation régulière. Ce qui est vrai, c'est que dans les 20, un peu plus de 20 ans passés, les liens se sont beaucoup resserrés, de part et d'autre, que beaucoup d'historiens français
pas seulement d'historiens, sont venus enseigner ici, que beaucoup de collègues argentins sont venus chez nous, en France, et surtout que un assez grand nombre d'étudiants s'est formé, en particulier grâce au centre franco-argentin qui a été créé à l'Université de Buenos Aires en 97, donc il y a exactement 20 ans aujourd'hui. Sí, yo precisaría un poco. Es cierto que en el mundo de entreguerras la historiografía alemana fue fuerte, pero luego de la segunda posguerra yo diría que es el gran momento de expansión de Annals en el mundo y también acá, y se mira sobre todo a Francia, hay también aquellos que miran a Inglaterra y a los Estados Unidos, pero el peso de las ciencias sociales, no diría solamente la historiografía, en esos años 50 y 60 son muy fuertes. Y lo que tú señalas es evidentemente vinculado a la situación política e institucional argentina, que han estado siempre muy ligadas, la suerte de la universidad con la suerte de los cambios políticos, y hay efectivamente ese gran, digamos así, ese gran agujero negro, digamos, entre 1965, que es, bueno, 66 era un golpe militar, que con altas y bajas durará hasta 1983, y luego, en el momento de la transición democrática, se tarda un poco en encontrar los mecanismos para establecer estos, de nuevo, estos vínculos, y ahí yo creo sí que en la última etapa esos intercambios fueron mucho más importantes que en el pasado, cuantitativamente. En el pasado eran más bien algunas personas que iban, algunas personas que venían, y esto se convirtió en algo más extensivo o más extenso, e incluso en algo que afectaba no solo a jóvenes investigadores o investigadores formados, sino también a estudiantes, como tú señalaste. Y en ese cuadro, digamos así, también yo señalaría, y tiene que ver un poco con lo que tú dijiste de tu primera visita, no solamente en Buenos Aires ahora, ¿no? Otra de las características fue que la expansión de una voluntad de renovación de la historiografía a través de un diálogo con otras historiografías internacionales afectó o influyó también sobre otros centros, pienso el caso de Tandil, el caso Mar del Plata, Córdoba, Mendoza. En ese sentido, creo que los vínculos se hicieron multipolares, ¿no? Y tú mismo, creo que tu primer viaje ya hiciste un tour de la Argentina, un pequeño tour de la Argentina, ¿no? Oui, c'était un tour partiel, mais intense. J'étais jamais venu dans le pays. Je n'ai jamais travaillé personnellement sur l'Argentine ni sur l'histoire de l'Amérique latine. Mais j'ai découvert à cette occasion, à Buenos Aires, mais aussi à Mar del Plata, à Tandil, où j'ai enseigné jour et nuit pendant une semaine, à Rosario, des gens qui nous lisaient, qui improvisaient des traductions sauvages, mais c'était très bien ainsi, qui les faisaient circuler et qui posaient des questions intéressantes et souvent aussi proposaient des réponses qui nous surprenaient et nous apprenaient quelque chose. Donc c'était une expérience réciproque. Pour moi, c'était une découverte, à commencer par la découverte que on nous lisait sans nous connaître, mais aussi que cette lecture était active et que les étudiants, les collègues qui s'intéressaient aux questions qui nous préoccupaient en prenaient leur part et apportaient leur part au débat. ¿En qué medida tú piensas que hoy la historiografía francesa está menos interesada en sí misma, digamos así, y tiene una apertura mayor
hacia las otras historiografías, cosa que me parece no era tan evidente hace cuando yo empecé, por lo menos, y quizás cuando vos empezaste también. La historiografía francesa es una gran historiografía, con una gran tradición y con una centralidad en sus prácticas. Sé que no es un poco el caso tuyo, y en tu caso, digamos así, o en el grupo de tu generación, las relaciones eran muy fuertes, sobre todo, por ejemplo, con la historiografía italiana, pero en otros casos me parece que había más resistencia. Tú, que has tenido una experiencia importante, no solo en la École des Hautes-Études, sino en la revista Annales, ¿percibes claramente que esta nueva generación es... mucho más abierta, y esto tiene también que ver con la lengua, con el, digamos así? Bon, tu dis les choses gentiment, on pourrait les dire plus méchamment, plus durement. C'est vrai que l'historiographie française, celle des annales, a eu pendant un temps le sentiment d'être un modèle, et un modèle qui n'invitait pas nécessairement à regarder ailleurs. Quand j'étais étudiant, dans les années 60, nous avions le sentiment d'être dans le vrai et au centre du monde historiographique. Alors, on n'est jamais au centre de rien, même si c'est probablement une tentation française, dans ce domaine comme dans d'autres, de croire que... on est au centre de tout. Cette confiance, qui était un mélange de confiance épistémologique, l'idée que nous étions en train de construire une histoire qui serait vraiment une science sociale, et que nous la construisions pour longtemps, une science positive. À probablement, cette confiance, elle a atteint son sommet au tournant des années 60-70. Hein, c'est ce que pourraient illustrer les trois volumes publiés par Le Goff et Nora sous le titre « Faire de l'histoire » en 1974, ou les recueils d'articles publiés par... mon ami Emmanuel Leroy-Ladurie, il s'appelait « Le territoire de l'historien ». L'idée que l'histoire était une discipline sans frontières, qui ne cessait d'avancer et de fabriquer de nouvelles questions, de nouvelles démarches, de nouveaux objets. Cette confiance très forte s'est affaiblie pendant les années 70, et dans les années 80, en France et ailleurs. Mais comme elle était probablement plus forte en France qu'elle ne l'était ailleurs, le choc a été plus sévèrement ressenti. Alors pourquoi est-ce que les choses ont changé? Pour des raisons externes et pour des raisons internes. Les raisons externes, c'est que le monde est devenu moins sûr. Lorsque nous étions jeunes, nous vivions dans un monde où le progrès était une évidence. Nous allions toujours d'un moins vers un plus. Et la science était forcément cumulative. C'est-à-dire que nous fabriquions les pierres ou les briques d'un mur dont nous ne savions pas quelle forme il aurait, mais un jour il y aurait un mur, qui serait le mur de l'histoire. Cette conviction, cet ensemble de convictions positives s'est affaibli. Il s'est affaibli parce que le monde est devenu plus complexe, qu'il est entré dans le courant des années 70 dans une crise dont nous ne sommes toujours pas sortis, et qui est une crise que nous savons à peine décrire. Et puis, dans le même temps, les grands paradigmes interprétatifs qui avaient dominé l'histoire et les sciences sociales,
le marxisme, mais aussi le structuralisme, le structuro-fonctionnalisme américain, et même tout bêtement le positivisme qui a un tel rôle dans l'histoire intellectuelle française. Tous ces grands paradigmes se sont effondrés ou au moins affaiblis. C'est-à-dire l'idée, au fond, qu'il existait des cadres interprétatifs généraux qui permettraient de rendre compte des transformations du monde historique. Alors ça, ce sont les raisons que j'appelle externes, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons et nous travaillons. Et puis, il y avait des raisons internes. Les raisons internes, c'était que l'histoire, science sociale, telle que les annales l'avaient développée, mais telle qu'elle existait avec d'autres formes aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Allemagne, semblait atteindre des limites. Elle avait été une histoire fondée sur la mesure, sur la quantification. Elle a produit d'énormes résultats. Il faut reconnaître ce qu'elle a apporté. Mais elle a eu tendance à s'essouffler parce que, en gros, ce qu'elle pouvait apporter, on avait le sentiment désormais de le savoir et qu'en histoire comme ailleurs, il y a une loi des rendements décroissants. Alors, c'est cet ensemble de facteurs qui a provoqué, on a beaucoup débattu pour savoir s'il fallait parler de crise, mais en tout cas, l'exigence d'un retour réflexif sur la discipline, sur les instruments de la discipline, en gros, sur ce que font les historiens quand ils se livrent à cette activité paradoxale qui est de parler de choses qui n'existent plus. Creo que en tus comentarios emergen algunas cuestiones que me parece que sería interesante llevar un poquito más allá. Me parece que hay dos rasgos, tres, que surgen como característicos de la historiografía francesa, al menos de la historiografía francesa vinculadas a la tradición de Annales, ¿no? Porque también aquí a veces nosotros olvidamos que hay otros sectores dentro de la historiografía francesa y dentro de la historiografía argentina que ejercen el oficio de manera mucho más tradicional, incluso diría en muchos casos como se lo realizaba a principios del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces que no toda la historiografía marcha a la misma velocidad, uno podría decir aquí aquella, o aplicarle aquella observación de Koselleck sobre que también en la historiografía no todo es contemporáneo, ¿no? La simultaneidad de lo no contemporáneo. Pero mi punto sería el siguiente, creo que en el ámbito de esta historiografía que fue siempre un sinónimo de renovación, un sinónimo de una búsqueda de una nueva frontera para la disciplina, había dos puntos fuertes en el caso francés, que eran el de la relación de la historia con las otras ciencias sociales, por una parte, y ese rasgo positivista que tú señalaste, que yo lo asociaría un poco con el predominio de la tradición durkheimiana en el caso francés. Y esto vinculado con un instrumento, digamos así, para la práctica, que sería la cuantificación. Esto un poquito en tensión con otras historiografías, digamos así, en las cuales, digamos, la tradición historicista, por una parte, y la tradición hermenéutica, en el sentido de una estrategia nociológica diferente a la estrategia de la tradición positivista, digamos, usamos el término positivista en un sentido muy genérico y con todas sus ambigüedades. Entonces, ahí, en este punto, hoy, digamos así, estamos
En esta crisis que vos mencionaste, o en esta impasse que ha llevado en las últimas décadas a buscar nuevas opciones, a una pluralidad de respuestas que nos habla quizás de que ya no hay un paradigma dominante, entendido este paradigma dominante no solo en el sentido temático, digamos, o operacional, sino en el sentido epistemológico, ¿no? Y esto crea, me parece, algunas oportunidades de diálogos y de encuentros, pero también genera algunas tensiones, ¿no? ¿Cómo ves eso, que es un movimiento en el cual vos estuviste muy implicado a partir del diálogo que te tiene como figura principal entre tu generación y la generación de historiadores italianos agrupados bajo la etiqueta de la microhistoria, que podía ser vista como una respuesta a la crisis, que sin embargo intentaba mantener, digamos, algunos postulados del positivismo lógico, si se quiere llamar así, por tomar una expresión que usa por André Rosenthal en un artículo que está incluido en un libro que tú compilaste, que se llama Juego de Escalas, y que, del cual existe, por otro lado, una traducción en castellano. ¿Cómo ves esa voluntad francesa de, a través del diálogo con la microhistoria, de en un contexto, el contexto del linguistic turn, el contexto de inseguridades, de seguir de todas maneras con una vía que podríamos llamar una aspiración de cientificidad fuerte? Il y a beaucoup de questions dans ta question, et je pense qu'il faut partir du début. C'est vrai que l'historiographie qu'on identifie aux annales est très fortement l'héritière de Durkheim et du durkheimisme. Et en même temps, si on a retenu un certain nombre de principes, par exemple la confrontation entre les sciences sociales et l'idée que les sciences sociales ont une unité, au moins asymptotique. Si elles ont hérité du durkheimisme, l'idée que il y a des méthodes pour construire des faits scientifiques et que ces méthodes sont essentielles. Et c'est là que Simian, l'homme qui, au fond, a proposé le cadre théorique de l'histoire quantitative, très tôt, en 1903, là, l'héritage durkheimien est évident, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort dans les annales. Ce qui n'a pas été hérité, c'est la préoccupation proprement épistémologique. Qu'on aime Durkheim ou non, il y a chez Durkheim la construction d'un cadre épistémologique fort. À quoi les annales? Sans doute parce que l'histoire est une science plus empirique que ne l'est la sociologie, a substitué une obsession méthodologique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je me souviens encore que, quand j'étais étudiant dans les années 60, on disait « mais l'épistémologie de l'histoire, ça n'a aucun intérêt, c'est pour ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui ne veulent pas aller aux archives ». En revanche, on pouvait débattre indéfiniment des meilleures techniques pour produire des séries, pour les analyser, et on l'a fait. On l'a fait à longueur de pages, d'articles, de livres, etc. Alors, ce refus de la dimension épistémologique, il est inscrit dans une histoire plus longue, qui est le fait que l'historiographie française, contrairement à l'historiographie allemande, par exemple, s'est construite contre la philosophie, contre les philosophies de l'histoire en particulier, contre la philosophie en général. Et on pourrait en dire autant de la sociologie
ou de l'anthropologie, alors que la plupart des sociologues et des ethnologues ou anthropologues français étaient de formation philosophique. Bourdieu est un très bon exemple de ce genre de choses, mais beaucoup d'autres, Lévi-Strauss. Il y a donc ce refus de la philosophie, des interrogations de type proprement philosophique. Et au fond, lors de la crise des certitudes dont tu parlais, celle qui a marqué les années 70-80, et qui d'une certaine manière continue aujourd'hui, elle est passée par une redécouverte des questions épistémologiques, non pas au sens d'une épistémologie dure de type philosophique, mais posée au niveau de nos pratiques. Qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons les choses les plus ordinaires ? Ce qui a commandé une révision des catégories à travers lesquelles nous pensons, mais aussi celle des opérations les plus communes, qui sont celles des historiens, celles auxquelles ils ne pensent même pas quand ils commencent à travailler. Alors, ce n'est pas un hasard si un certain nombre d'historiens ont découvert à ce moment-là, je ne sais pas s'il faut parler de positivisme logique, mais enfin disons la tradition wittgensteinienne, ou des variantes. Car il y a ceux qui, d'un côté, sont allés du côté Wittgenstein par refus de la phénoménologie. En gros, c'est l'héritage structuraliste. Et puis, il y a ceux qui sont allés vers des versions très relativistes du positivisme logique. C'est le cas de Richard Rorty aux États-Unis, et qui a été l'un des grands inspirateurs de ce qu'on appelle le linguistic turn. Donc, on a en fait affaire à une série de choses très complexes, mais dont la matrice commune est que l'évidence des opérations historiques et historiographiques s'est fragilisée. Hein, l'évidence s'est brouillée et elle a provoqué une série d'interrogations sur le métier. Alors, dans le cas des annales, il n'y a pas eu, je ne sais pas s'il y avait une orthodoxie, mais en tout cas, il n'y a pas eu une orthodoxie de remplacement à la suite de cette interrogation critique. Il a existé ce que nous avons appelé à la fin des années 80 un tournant critique. On aurait pu dire aussi un tournant réflexif, mais qu'on trouve en sociologie, qu'on trouve en anthropologie, je dirais, dans presque toutes les disciplines, sauf peut-être l'économie. Si. Tu évoquais la micro-histoire. Alors, la micro-histoire, c'est un phénomène localisé, auquel il ne faut sans doute pas donner plus d'importance qu'il n'en a ou qu'il n'en a eu, mais qui a été important pour moi personnellement, parce que j'ai beaucoup vécu en Italie, que j'ai travaillé avec des historiens italiens dans ces années 70 et 80, et que le modèle qu'ils proposaient, et encore une fois, il s'agit d'une toute petite minorité, Carlo Ginzburg, Eduardo Grandi, Carlo Poni, Giovanni Levi, hein, cette petite minorité proposait une manière de faire diamétralement opposé à ce que nous faisions et qu'ils connaissaient bien. Hein, leur idée, c'était que là où l'histoire telle que les annales l'avaient pratiquée avec succès pendant plusieurs décennies, donc une exploitation extensive de données massives traitées statistiquement, on pouvait proposer une stratégie de recherche alternative. Alternative en ce que elle passait par l'exploitation intensive et non pas extensive d'une documentation resserrée, micro,
Hein, un champ opératoire très limité, mais dans lequel, au lieu d'abstraire un petit nombre de données d'une grande masse archivistique, on s'efforçait d'intégrer le maximum de données dans le champ soumis à l'observation. On avait donc affaire à un tout autre type de reconstruction, dont le modèle pour Eduardo Grandi était ce que faisait l'anthropologie anglo-saxonne, anglaise essentiellement, ou pour Ginsburg, ce que faisait en histoire de l'art la tradition Warburg. Je remarque au passage que leur projet était tout aussi positiviste que celui des annales. Il n'y a pas du tout l'idée d'une remise en question, et dans plusieurs des polémiques qu'ont livrées les micro-historiens, ce positivisme est évident, en particulier dans les polémiques contre Hayden White ou contre l'anthropologue Clifford Geertz. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, venait du dehors, la rencontre de la micro-histoire, c'était l'occasion de réviser mes propres certitudes, c'est-à-dire de penser contre moi-même et contre ce à quoi j'avais été formé, contre ce que je pratiquais. J'ajouterai ceci de ma rencontre avec la micro-histoire, de ce compagnonnage maintenant depuis plus de 30 ans, 35 ans, je tire sans doute des conclusions qui sont assez différentes de celles des micro-historiens originaux. Oui. Je tire, moi, la conclusion que ce qui importe, ce n'est pas l'échelle micro contre l'échelle macro, mais l'ensemble des échelles auxquelles on peut analyser des réalités sociales, ou dans le cas des historiens, des réalités socio-historiques. Hein, j'ai la conviction, et je pense qu'on peut le montrer empiriquement, qu'à chaque niveau d'observation correspond une organisation du monde social, un fonctionnement du monde social qui est différent de ce qu'on observe aux autres niveaux. Donc, ce qui m'importe, c'est le principe de la variation des échelles, ce que j'ai appelé le jeu d'échelle, plutôt que l'opposition micro-macro. Es evidente que yo creo que la diferencia cuando la microhistoria pasa, digamos así, de esa petite filière, de ese pequeño grupo italiano, a un espacio más amplio, y yo creo que ahí tú ocupaste un lugar muy importante. Primero, se abre esta nueva perspectiva de relativizar la exclusividad de la escala pequeña y hacer dialogar a su vez a la microhistoria con otras tradiciones historiográficas y de las ciencias sociales. Pero queda, yo creo, un poco de lado, es cierto lo que tú dices con relación al cuadro positivista, en el cual también se inserta la operación microhistórica, pero queda un poco de lado algo que sí aparece, me parece sobre todo en la figura de Carlo Ginzburg, menos en los otros, que es una discusión sobre el tema de la prueba, el tema de el oficio del historiador en la operación con los textos y las posibilidades de obtener certidumbres a partir del trabajo con los mismos y todo poner en discusión, digamos así, la noción de verdad, la noción positivista de verdad, la noción jurídica de verdad, o por lo menos sus diferencias con las nociones que utiliza el historiador, que tendería hoy más a hablar de veracidad o verosimilitud,
y que me parece es parte, digamos así, de una respuesta también a los desafíos que en su momento presenta el giro lingüístico. Y quizás yo creo que esta opción se combina con otra que me parece de la cual no sé cuál es la extensión en el caso francés, pero es la recepción de la obra, sobre todo de Koselleck, y la cuestión de las condiciones de posibilidad, lo que Koselleck llamó una histórica, para el conocimiento del pasado, ¿no? Entonces, como si una respuesta a estas crisis se encontraría por ahí. Yo creo que tú agregas un elemento importante, que es este pasaje, en el caso de los historiadores, a través de las prácticas, o sea, las reflexiones a partir de las prácticas. Y uno podría decir, o se podría extender tus comentarios con respecto a los juegos de escala espacial, a los juegos en las escalas temporales, ¿no? Y también ahí creo que hay una serie de opciones en relación con la larga duración, la corta duración, la interacción entre ambas. Y también me gustaría contar con una reflexión tuya en torno a la pluralidad de tiempos. Bueno, alors c'est un point qui est bien sûr très important. Les historiens ont paradoxalement pendant longtemps négligé la réflexion sur le temps. Probablement parce que le temps était la dimension trop évidente des phénomènes historiques. Alors, il faut corriger ce que je viens de dire, puisqu'ils se sont aussi préoccupés d'organiser le temps historique. Des historiens comme Braudel, avec sa théorie des durées, ou d'une manière tout à fait différente, comme Labrousse, avec l'étude des cycles économiques ou des cycles socio-économiques, ont proposé des constructions temporelles relativement complexes. Mais le temps en tant que tel, et d'abord le temps dans lequel les historiens vivent comme tout le monde, n'a pas été beaucoup analysé, peut-être parce que la tâche en était laissée aux philosophes. De ce point de vue, les choses ont changé. On pourrait dire que, tardivement, l'historiographie française en particulier, l'historiographie internationale plus largement, est devenue weberienne plutôt que durkheimienne. Hein, elle rappelle que non seulement les objets que nous étudions sont dans le temps, mais nous-mêmes qui étudions des objets dans le temps, nous sommes dans le temps. Et que donc on a affaire à un double mouvement d'incertitude qu'il faut réduire, caractériser. Alors, l'homme du sujet, bien sûr, c'est Reinhard Koselleck, celui qui a, de la manière la plus serrée, la plus exigeante, posé ses problèmes dans le livre qui s'appelle « Le passé futur », qui est un livre qui, depuis la fin des années 70, a eu un très large retentissement historiographique. Mais le problème que pose Koselleck, c'est pour l'essentiel un problème traité en termes philosophiques, avec peu d'attention aux pratiques des historiens. Alors, sur ce point, tu as raison. Il me semble que de manière plus modeste, mais peut-être tout aussi efficace, c'est au niveau de ces pratiques, c'est-à-dire de la constitution, de la construction et du traitement de nos objets, que le problème se pose. Est-ce que ça résout pour autant le problème de la vérité ? Je ne le pense pas. La vérité que défendait Carlo Ginzburg, tu le rappelais, à propos des polémiques qui l'ont en particulier opposé à Hayden White,
était une politique anti-relativiste, qui se trouve, parce que c'était une polémique, avoir pris des accents positivistes, et même hyper-positivistes, qu'on ne retrouve pas dans la plupart des travaux personnels, empiriques de Ginsburg, qui sont des travaux qui bâtissent les cadres d'une interprétation. Alors le problème posé aujourd'hui, parce que nous sommes à l'âge de ce qu'on appelle la post-vérité, ce qui est une formulation terrible, mais ça nous renvoie malgré tout aux bases et peut-être à la responsabilité de notre métier. Nous produisons des vérités dont nous devons savoir qu'elles sont provisoires. Cela ne veut pas dire pour autant que toute vérité en vaille une autre. C'est un point très différent. Gracias, Jax, por haber venido a Diálogos Transatlánticos y espero que en este terreno de los diálogos podamos ser optimistas y volver a encontrarnos en un futuro cercano. Un placer, Fernando. Hasta pronto.